J'ai fait un peu d'illustration et je me suis retrouvé par hasard aux États-Unis pour initialement une douzaine de mois. Et puis ça a duré 13 ans. Oui, ça fait des longs mois. Ouais, ça fait des Je longs mois. disparais, je réapparais, t'inquiète, c'est juste que j'essaye de gérer un petit peu du. Pas de problème. Et donc voilà, en fait, j'étais parti pour suivre ma femme, qui avait un boulot pendant un an là-bas. Et puis j'ai eu l'occasion de visiter les studios d'animation à Los Angeles, sur la côte ouest. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et la quantité de, comment dire, de travail, de passion. En fait, c'était chez DreamWorks que ça m'a fait ça le plus, parce qu'en fait, DreamWorks a pour politique d'imprimer sur tous les murs du studio des tonnes et des tonnes de prints qui sont absolument incroyables, quoi. Et qui révèlent une richesse qui était jusqu'alors insoupçonnée. Ça, c'était en 2006, et le concept art était quand même un petit peu moins partout, quoi. Et du coup, j'ai pris ça comme un grand coup de pelle dans la tronche, quoi. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça, quoi. Et le truc, c'est que mon portfolio ne correspondait pas du tout. J'ai deux amis qui m'avaient fait visiter, qui bossaient dedans. J'étais un peu débile, j'avais pas bien compris que ce métier-là existait. Alors, à ma décharge, c'était un petit peu moins mainstream qu'aujourd'hui, quoi, mais quand même. Et puis, moi, quand ils m'ont dit, tu veux visiter les studios, je pensais qu'on allait dans le petit train avec les touristes et tout, quoi. Donc, j'ai été pris complètement par surprise. Et puis. Et je leur ai demandé, mais vous pensez que je peux le faire? Ils m'ont dit, bah ouais, il faut que tu refasses ton portfolio, parce que là, tu as un portfolio d'illustrateur. Et donc, c'est de langage visuel assez différent, malgré tout. Donc, j'ai bossé comme un chien. Mais vraiment comme un chien. Vraiment comme un chien, c'est en termes d'heures ou en termes de. En termes de tout, j'ai fini à bosser 19 heures par jour pendant 4 mois sans m'arrêter, quoi. Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Non, non, c'est vraiment beaucoup de travail. Et à la fin, je ne savais même plus très bien pourquoi je faisais ça, quoi. Ce qui fait que quand j'ai finalement présenté mon portfolio la première fois, je ne savais même plus exactement pourquoi je faisais ça, quoi. Est-ce qu'avec le recul, tu retrouves la raison pour laquelle tu faisais ça? Ouais, non, bien sûr, ouais. Je l'ai trouvé très vite, quoi. Mais non, c'était dur. Alors le truc, c'est que je ne l'ai pas fait forcément très intelligemment non plus, mais bon, ça a eu le mérite de marcher, donc. Donc ça valait le coup, quoi. Et donc le premier boulot, c'était sur Astro Boy en 2008. Et puis c'est marrant parce que j'étais allé voir passer l'interview et mes deux amis qui m'aidaient, qui s'appellent Tang Heng et qui était à l'époque DA sur Kung Fu Burna, et son épouse Noël Trioro, qui donne un talk demain à, ouais, tout à fait, à Yamag, là, ouais. Qui sont super, à qui je dois beaucoup. Tang m'avait dit non, mais tu peux aller faire l'interview, de toute façon tu seras pas pris. C'est pour l'entretien, c'est pour t'aider, c'est tout ça. Et j'y suis allé, ils m'ont pris. Et donc je lui dis, mais je fais quoi alors? Il me dit, bah, t'y vas. Alors bah, j'y suis allé. Et puis là-bas, j'ai rencontré un Français qui était animateur et qui m'a présenté à Dominique Louis, ouais. Qui venait de quitter Pixar, qui était DA sur Croods. Ouais. Qui a montré mon boulot à Christophe Lautret, donc c'était la mafia française qui était à l'œuvre. C'est ça, hein. C'est un ouais, peu ouais, cool. Ouais. De... Mais ouais, puis bon, bah, ça se fait un peu normalement. Je pense que toutes les communautés d'expatriés se communiquent un petit peu naturellement, plus facilement, quoi. Et puis voilà, donc en 2000, tout début 2009, je devais bosser sur Croods, et puis finalement j'ai bossé sur Dragon parce que Croods avait été reporté. Et puis voilà, après j'ai bossé sur ces différents films. Au début, je savais pas si. En fait, on m'avait parlé d'une espèce d'ogre qui passait régulièrement dans le département artistique pour manger tous les dessins, quoi. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les originaux étaient tous embarqués, puisqu'ils sont la propriété exclusive des studios. D'accord. Ouais, tu repars jamais avec ce que tu as. Non, j'ai entendu des histoires affreuses de gens qui bossaient sur des layouts pendant un mois et qui retrouvaient leurs layouts dans des poubelles derrière le studio. Enfin, c'était vraiment. Moi, ça m'empêchait de dormir, quoi. Du coup, je travaillais pas mal sur carnet de croquis avant, et là, sur Dragon 1, j'ai pas travaillé sur le carnet parce que je pensais qu'il fallait donner les feuilles tous les jours. Sinon, le dragon allait nous manger, nous, quoi. Et du coup, finalement, quand j'ai vu à la fin de j'ai pas bossé longtemps sur le premier, c'était la fin de la prod, et j'ai fait à peu près un peu plus de 6 mois, je crois. Et puis, en fait, on m'a laissé mes dessins. Du coup, après, je me suis dit, ah, bah, si c'est comme ça, je vais me remettre dans mes carnets. Et donc, je suis reparti à bosser dans les carnets. Parce que c'est ce que je disais hier pendant mon talk aussi, c'est que c'est pas une croisade ou quoi, hein, je suis pas en train d'essayer de convertir qui que ce soit, mais c'est une habitude que j'aimais bien et que j'ai poursuivi. Puis j'ai vu que ça pouvait s'intégrer parfaitement au pipeline, dans la mesure où je peux toujours peindre après sur Photoshop ce que je fais, quoi. Et puis aussi, ou quelqu'un d'autre peut le peindre, ça marche pas mal comme ça.
T'arrives à lâcher la main sur tes dessins et sur la couleur qui va dessus, ou c'est un... J'ai pas du tout d'attachement particulier à ce sujet, quoi. Au contraire, moi, je suis un peu comme au spectacle, quoi. J'attends de voir ce qu'on va me faire. Ah, c'est pas mal, dis donc. J'aurais pas fait ça, mais c'est cool. Non, puis bon, bah voilà, quoi. C'était Dreamworks, donc les gens, ils étaient plutôt bons, quoi. Ouais, donc, c'est pas ta nièce qui de 5 ans qui colorise, quoi. Ma nièce dessine pas mal, quand même, mais bon. donc voilà, et puis donc j'ai continué à bosser pas mal comme ça, un peu en traditionnel, un peu en digital. Je le fais un petit peu moins depuis un an ou deux et je le regrette. Je fais plus de digital, ouais. Mais bon, tout ça va changer, je vais m'y remettre de toute façon. Juste une question de moment et d'époque. Si on devait regarder, alors je suis parti à la recherche de contenu chez toi, sur ton ArtStation, c'est là où on va trouver le plus d'images, ou il y a... Je sais pas. Faudrait que je le mette un petit peu à jour, parce que le problème aussi, c'est qu'il y a pas mal de boulot qu'on n'ose pas trop montrer, parce que bon, après, quand les films sont sortis, ça va, mais quand on bosse pendant, par exemple, moi j'ai bossé presque un an sur Larry Kings à Dreamworks, qui était un projet de film d'animation qui se passe en Australie, et qu'au bout d'un an, il a été annulé. On est un peu gêné aux entournures, parce que techniquement, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire avec, on n'est pas trop censé les montrer. Et du coup, moi, je me trouve avec des années entières de matériaux que je ne m'autorise pas tout le temps à montrer, quoi. Donc, au bout d'un moment, on tente le coup, on envoie un sur les réseaux sociaux qui a bossé avec nous et qui poste un truc, et puis il n'est pas mort le lendemain. Donc, alors là, c'est... Tout le monde ouvre les vannes. Et là, c'est la déferlante. Exactement, quoi. Donc, mais bon, on ne veut jamais être le premier, quoi. On attend toujours qu'il y en ait un plus courageux que nous qui risque un petit coup de fil de l'avocat. Pour pouvoir lui envoyer un message en mode « Bon, désolé, mec, c'était sympa de tester pour la team. » Et donc, voilà. ArtStation, essentiellement, je pense. Okay. Les réseaux sociaux un petit peu, mais je le fais un peu moins. J'ai un peu débranché les réseaux sociaux depuis un an ou deux. C'est marrant, on avait Sébastien Hu tout à l'heure qui nous a dit exactement le contraire. Ouais. Ah oui. Mais c'est pas grave. Qui vit le contraire. Ouais. C'est-à-dire que lui, il vit en mode réseau social. Si je devais choisir un des portfolios pour démarrer là, sur ça, qu'est-ce que tu me... Vers quoi je... Alors rappelle-moi le... Alors nous avons Dragoons. Alors Dragoons, c'est un projet perso. Les Croons, Dragons, Sonic et les autres à côté, c'est Sketches. Sketches and Tree Sketches. Je sais pas, on peut commencer sur Croods. Croods, okay. Chronologiquement, ça me paraît plus ancien. Hein. J'ai une formation en histoire de l'art. Moi, je commence à Lascaux. Ouais, et puis après, on revient jusqu'à nos jours. Donc voilà, ça c'était le premier dessin. C'est un dessin que j'ai fait en fait après la sortie du film. Parce que le film sortait, je voulais faire une image, quoi. J'ai pas été amené à faire beaucoup de couleurs sur Croods, et c'est un peu le problème dans les studios, on est souvent mis dans des boîtes, quoi. Ouais. Et moi, le production designer voulait que je produise pas mal de crobards, de dessins, qu'allaient être mis en couleur ou pas, quoi, pour générer des idées aussi. Et paradoxalement, celui-là, maintenant qu'on voit, il a été fait avant le film. D'accord. C'était quand je commençais à m'entraîner, j'étais tout excité à l'idée de bosser. Parce qu'en fait, Christophe Lautrette et Dominique Louis, qui étaient le production designer et le directeur artistique, ils ont commencé à bosser avec le réal Chris Sanders, et puis Dragon était en feu. Du coup, ils ont changé de réal, ils ont mis Chris Sanders pour finir la réalisation du film. Mm-hmm. Du coup, ils l'ont enlevé de Croods. Et pendant un an, Christophe et Dominique bossaient dans leur coin, tout seuls, payés à produire des images toutes plus incroyables les unes que les autres. Donc c'était vraiment le job de rêve absolu. Et donc moi, je bavais en voyant ça, parce que je voulais les rejoindre, je voulais absolument y aller, quoi. Et donc j'avais commencé comme ça... à produire des dessins. Ça, c'était des croquis que Christophe m'avait demandé d'exploration pour des angles de caméra dans la seconde partie du film, dans la forêt. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le croquis en bas à gauche, c'est un tout petit croquis qui est devenu la première image de la galerie. La première image, c'est celle-ci. On reconnaît bien. Il y a Hyperlite qui nous dit magnifique couleur, effectivement. Merci beaucoup. ces petits croquis en noir et blanc là, qui ont abouti sur cette image. En fait, je m'étais fait des gabarits avec une espèce de Bristol un peu épais, mais ils sont pas très grands. Ils sont, je sais pas, ils doivent faire 10 cm sur 4. Quoi. J'ai essayé de travailler petit, parce que tout ce qui est petit est joli, c'est bien connu, déjà. Et puis, parce que ça me permet de tous les gérer les uns à côté des autres, en fait. Je travaille pas mal en série, donc ça me permet de les positionner un peu comme ça, quoi. D'accord. Et donc voilà un petit peu le problème. Alors après, j'ai fait d'autres gabarits, plus ou moins, avec des formats différents. Mais ça reste, c'est jamais très, 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 très grand.
Ouais, alors, les arbres, tu t'es fait carrément, tout à l'heure j'avais vu dans les entêtes de dossier, t'as un best-of de tes arbres. Dans les entêtes de dossier. À la racine de ton Arcelation, il y a des arbres. Ouais, en fait, c'est bizarre, hein, je me suis découvert un amour pour la forme organique. Et du coup, les arbres sur Croods. En fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais à Los Angeles, après Croods, je me suis mis à acheter des plantes comme un fou, quoi. Et essentiellement des succulentes et des cactus qui poussent. Qui poussent bien là-bas en Californie. Quand tu craches par terre, il y a un cactus qui pousse en général. Donc, c'était. Je me suis découvert une fascination pour les plantes. Ça remonte en fait. Il y a un jardin à Los Angeles, enfin pas à San Marino exactement, qui s'appelle Huntington Garden, qui est un musée et un grand jardin. Et en fait, ils ont une collection de bonsaï là-bas. Et en fait, il y a une partie de moi qui n'est jamais sortie de cet endroit, quoi. Et tous les arbres de Croods, ils viennent de là, quoi. C'est tous des rejetons de cet après-midi que j'avais passé là-bas. Et c'est vraiment incroyable. C'est à Los Angeles, moi, je recommande à tout le monde d'y aller, quoi. C'est vraiment quelque chose d'unique, quoi. C'est sublime, quoi. Et donc, voilà. Et puis, alors, après, j'ai fait des arbres. J'en ai fait plein. J'étais assez fier de celle-là. C'était la grotte dans laquelle la famille des Croods vit, donc qui est vraiment littéralement le cul de basse-fosse, quoi. Ils sont tout au fond, il n'y a presque pas de lumière. Ils vivent dans un éboulis, en fait. Et à la fin du premier acte, l'éboulis s'ouvre en deux et révèle la jungle. Ça, c'était les baobabs. Alors, l'idée, c'était de pouvoir les réutiliser aussi pour la section beaucoup plus luxuriante. Donc, dans la section luxuriante, il y en a qui ont été habillés avec de la mousse, avec du feuillage, avec des champignons dessus, etc., quoi. Et on est d'accord que toi, ton boulot, il est au niveau du trait, de la forme et tout, et que derrière, tout va être remodélisé en 3D. Moi, je fais des trucs qui sont plats, qui ne parlent pas, qui ne bougent pas. Enfin, c'est ennui total, quoi. C'est vraiment... C'est pas ça que j'ai dit. Non, mais oui, bien sûr, ça va être modélisé. D'ailleurs, il y a même une image que tu as montrée un petit peu avant, avec une série de petits mâchoires. Attends, un peu plus avant encore. Encore un petit peu, encore un coup, voilà, on y est. En fait, ça, c'était des crobards vraiment minus, ceux-là, ils doivent faire 3 ou 4 cm de haut. Et donc, il y en a certains qui me plaisaient, que j'ai rendu un peu plus, de manière un peu plus poussée, quoi. Les autres, je suis resté en mode silhouette. Et en fait, c'était un boulot que Christophe m'avait donné, j'étais vraiment super content, quoi. C'était qu'en fait, il voulait construire une maquette pour présenter au Réal, pour leur pitcher un peu sa vision du deuxième acte. Et il voulait une vraie maquette, c'est-à-dire il voulait pas un modèle 3D, il voulait un truc qui allait être fait par un... Qui était en volume, par voilà, un exactement, qui était fait en polystyrène avec... Alors bon, ça a été fait par un artiste qui s'appelle Kundo Rabaudi, qui bossait à DreamWorks, qui bosse toujours à DreamWorks d'ailleurs, et qui vient du live action, il a bossé pas mal sur les films de... Il a bossé sur les films de Tim Burton, il a bossé sur Starship Troopers, et il faisait des maquettes en 3D, quoi. Enfin, en vrai 3D, si je puis dire. Et donc, on a fini par choisir un design et donc il l'a faite en vrai, quoi. Et donc c'était super, parce qu'en plus il l'a fait avec vraiment les moyens du bord. Je me rappelle, il allait à la cafette pour récupérer des gobelets en carton pour se servir de base pour les rochers, avec du papier d'alu, un peu de plâtre et 3 gobelets en carton. Il a fait un truc incroyable. C'est ça, c'est le bricolage du monde réel. Ouais, mais en même temps, alors là c'est un peu bizarre parce que du coup quand les réels sont arrivés, ils n'étaient pas du tout au courant. C'était l'effet que Christophe recherchait. On leur présente jamais ce genre de choses pour des raisons assez évidentes, hein, parce que ça met un petit peu de temps à être fait, même si Kundo travaille très très vite. Et en fait, du coup, tout de suite, le regard est attiré parce qu'en fait, ça sort du lot. Et en fait, c'est ce qui s'est passé un peu indirectement de la même manière avec moi. C'était sur, en fait, le fait de travailler, en tout cas en première phase d'approche de recherche d'esquisses en traditionnel, ça fait ressortir mon boulot, quoi. Tout simplement parce que c'est une technique différente, mais pas parce que c'est mieux ou moins bien que les autres, hein. Et du coup, moi, c'est ce que je peux conseiller à tout le monde, quoi. C'est de trouver une manière de travailler qui est une approche personnelle, quoi. Qui ne recherche pas une justification particulière, mais qui permet de gratuitement d'avoir le boulot qui ressort tout seul, quoi. Qui ressort parce que tu fais pas exactement le même truc. Parce que c'est un autre type de rendu, quoi. Et puis c'est aussi une autre façon de travailler, et ça se voit dans le résultat final. Alors après, la question de la qualité du travail, c'est vraiment une autre histoire, quoi. Mais c'est... De toute façon, je pense que quand on multiplie un petit peu les outils, forcément, on sort naturellement un petit peu de... Enfin, je ne dis pas qu'on en sort, puisqu'on en vient régulièrement, mais ça secoue un peu la zone de travail, quoi. Donc voilà. Ouais, mais donc ça, c'était une autre version de la maquette, je crois.
Et tu sais si dedans il y a une version une photo de la maquette ou pas du tout? La dernière fois que je l'ai vue, la maquette, elle était dans un couloir, elle était pas en très bon état. Il était trop tard pour la prendre en photo. Elle était vraiment, il aurait fallu la restaurer quasiment, malheureusement, parce que bon, c'était fait des matériaux assez fragiles et les gens n'ont pas pris grand soin. Et c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, et puis. Donc comme là tu montrais toute une série de. En fait, je travaille beaucoup en série. Je trace des lignes sur les pages et puis en fait j'essaie de trouver des formes différentes, des rythmes différents. Dès que j'en ai fait une petite triangulaire, j'en fais une grande forme plus arrondie et puis après je les combine et puis et en fait le fait de travailler petit, ça m'aide à éviter de me noyer trop tôt dans les détails quoi. Mm-hmm. Et puis surtout ça me permet aussi d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que je propose, ouais. Et de me dire non mais ça va le coup du pied avec un carré et la tête triangulaire, j'ai déjà fait faire deux images au-dessus, voilà quoi. Exactement quoi. Tu vas c'est hyper énervant parce que des fois je les vois pas et puis je passe une heure à le rendre et puis après je me dis ah mais c'est le même, c'est pour ça que j'aimais bien, voilà. Non mais en plus c'est terrible hein, parce qu'on vient vraiment on remet ses pantoufles très facilement quoi. Mm-hmm. Donc ça me donne un petit peu de recul avec ça quoi. Mais alors du coup quand tu me dis ça veut dire que sur tes carnets t'as une page avec tous les petits trucs. Ouais. Je travaille par page en général quoi. Donc, est-ce qu'on se fait un tour un tour de carnet. Ouais, bien sûr. Parce que là t'es venu avec une pile de carnets assez phénoménale. Alors là-dedans justement c'est le carnet de Croods. Hop. Donc. Yes. Non, c'est le carnet de dragons, celui-là. Ça ressemble plus à des dragons qu'à des Croods. Ouais, ça ressemble à des dragons. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai comme série Alors, attends. Aussi, tout au début, je crois que j'ai une série avec des... Attention, t'as un carnet qui se barre. Ouais, je reviens à toi. Ça, on leur donne tellement d'amour, après... Après, ils prennent vie. Tout permis, quoi. Ils prennent vie. C'est ça, ils prennent vie une fois qu'ils ont beaucoup d'amour. C'est... Ouais, c'est ça, leur donner pas trop d'amour. Donc ça c'est des recherches de layout pour Dragon 2 dans la partie qui y avait une partie qui se passe dans un canyon de glace près de l'antre de Valka qui est la mère de Hiccup, enfin ou de Harold en français. Je sais pas comment elle s'appelle, Valka en français. Enfin, c'est ça. Je n'ai plus le nom des personnages. Peu importe. Et donc, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un gabarit où il y a, je crois, il y a deux cases de la même taille, quoi. Et puis après, je le descends. Je mets du scotch repositionnable entre toutes les cases, ce qui me permet de garder mes bords propres. Que ce soit clean, sans avoir à gommer. Hein. Exactement. Et puis après, j'attaque au crayon, quoi. Et puis, je monte mes grilles progressivement et puis j'essaie de checker un petit peu justement est-ce que cette compo je l'ai déjà faite, qu'est-ce qui me plaisait bien dedans, est-ce qu'il y a un élément que je voudrais réutiliser ailleurs. Et en fait, donc voilà, là c'est, je dirais qu'il y a à peu près une journée et demie ou deux de boulot dessus quoi. Et après, si besoin, j'en reprends certains que je scanne et que je repasse en couleur ou je les passe à quelqu'un d'autre. Et puis, dans tous les cas, ça génère le début d'une discussion avec le production designer et puis le réel éventuellement quoi. Et donc voilà, ça c'est un travail de série avec un rendu un petit peu poussé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer dans le même genre? Ça c'est pareil, c'était des recherches de formes, c'était pour l'entrée d'un des canyons. Donc c'était vraiment des recherches super graphiques. Je sais pas si ça passe très très bien à l'écran. Si, ça passe plutôt pas mal, on n'a pas tout. Donc, enfin, le regarde pas là-bas en grand, d'accord. Tu vois, en bas c'est un peu plus lisible. Donc c'est beaucoup moins rendu, mais ça c'est pour moi. Beaucoup des travaux qui sont faits dans le carnet sont vraiment pour moi, sont pas censés. Ça, c'est une page qui était toute prête. Ah, c'est un bon exemple. Voilà. Elle est prête, il n'y a rien. C'est exactement dessus. Ça, ouais. Voilà, pas si, donc alors... Le scotch est encore là, on peut le gratouiller. Je sais pas s'il se voit à l'écran. Là, ouais, un petit peu. Si, tu regardes, on le voit sur le petit écran derrière. Donc en fait, toutes les pages sont prêtes. Puis je sais pas quelle obscure raison, ça n'a rien donné. Là, c'était un projet d'ascenseur pour la vieille chamane qui vivait en haut de l'île. Donc j'avais fait plusieurs versions de. Voilà, puis ça c'était la version finale et puis ça après je l'ai repris et puis je l'ai fait sur la Cintiq. Voilà, là j'avais fait plein de versions pour une girouette qui était censée être tout au-dessus aussi. Donc on a vraiment beaucoup de temps ça c'était la première version mais j'en ai des pages de girouettes, elles sont pas toutes là quoi, je les ai pas toutes gardées. Mais c'est vrai qu'à la fin le carnet du coup ça fait un corpus encore plus dans lequel de on peut vraiment se replonger et repartir un petit peu dedans. Parce que là pour le coup on a ton carnet, est-ce que tu as fait des expos à partir de ça ou est-ce que les productions t'ont proposé d'en faire? Non,
Une fois, ils m'ont demandé une page de mon carnet. Donc, je leur ai donné une page de mon carnet, ça m'a fait un peu mal. Mais... C'était juste pour nourrir l'ogre. Ouais, non, ils m'ont demandé une page parce qu'ils faisaient une expo pour je sais pas quoi, je sais plus où. Et donc, je leur ai donné, après ils me l'ont rendu. Non, mais en fait, ces carnets, je les montre pas plus que ça, quoi. C'est-à-dire que moi, les personnes pour qui je travaille au département artistique, ouais. Ils les voient et tout, mais je me trimballe pas comme un exhibitionniste avec pour. Qu'est-ce que j'ai vu des séries d'arbres aussi qui sont là. Ça, c'était des arbres que j'avais fait pour un autre projet. Mmh. Donc, c'était des variations. Alors, ce que j'essayais de faire et ce que j'essayais toujours de faire, c'est quand j'essaie de créer des formes un petit peu originales, c'est que j'essaie d'aller chercher dans. Mettons qu'on parle d'arbres, donc je vais aller chercher dans le monde végétal, mais je vais pas chercher des sapins. Je vais chercher des champignons, je vais chercher des fleurs. Ça me fait penser à une des graines qu'il y avait dans le jardin, je crois. Et puis après, même, je vais pouvoir aller chercher dans les fourrures animales ou. J'essaie vraiment d'oublier ce que c'est, d'oublier que c'est une vache écossaise ou un morceau de caillou, je sais pas où. Et j'essaie vraiment de me concentrer sur la forme en elle-même et de voir un petit peu comment je peux jouer avec et la détourner pour la ramener exactement là où je voulais, quoi. Et ça marche pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est des formations rocheuses qui étaient censées être dans une caverne. D'abord, ce que je fais, c'est que j'ai un travail de documentation vraiment... important, même si je me suis un peu calmé depuis. Je passais tous les jours un bon petit moment, au moins une demi-heure ou trois quarts d'heure, à checker toute une série de blogs et de Flickr et en fait de trouver des images incroyables. Et puis dès que je trouvais un nouveau site ou un nouveau blog qui me montrait des images qui étaient époustouflantes, je le mémorisais dans mon agrégateur de flux RSS, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Et puis après, donc, je téléchargeais tous les jours. J'avais ma petite boîte aux lettres qui s'allumait en me disant « Ah ben voilà, il y a ça qui est prêt, donc j'allais regarder. » Après, je les organise dans des dossiers et après, j'en fais pas grand-chose. Mais en fait, après, bizarrement, ils m'en rendent peut-être un tout petit pourcentage dans la tête et dans les yeux, parce qu'il y en a qui sont vraiment marquants, enfin qui me marquent moi. Et du coup, c'est comme ça que je m'en sers. Donc en fait, c'est un peu plus la quête et la chasse qui compte que le trophée qu'on ramène un peu après. Ça, c'est une version qui n'a pas été rendue vraiment. Donc ça, j'avais juste passé un... J'ai envie de dire un jus, mais c'est une espèce de... En fait, non, j'avais passé un... C'est du crayon de papier que j'avais estompé. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la gomme mi-de-pain et à la gomme électrique dedans. Alors la gomme électrique, c'est top, hein, je le conseille à tout le monde. C'est pas un truc de flemme d'avoir une gomme électrique ? Non, ça permet vraiment d'avoir de gommer de manière forte et très précise et très localisée, de ramener des rayons de blanc vraiment chouettes, quoi. Et puis voilà, voilà, encore une page que j'ai jamais rien donné. C'est facile en fait de remplir les sketchbooks. C'est ça, si tu sens une page sur trois, hop là. Alors je compense après parce que je colle plein de papier. Parce qu'en fait... Quand je vois certains des... Enfin, j'aime bien garder le petit crobin où j'ai eu mon idée, et puis après, là où je passe 8 heures à faire le rendu avec mon crayon en tirant la langue chez moi, quoi. Donc ça, c'était pour un projet qui se passait sous l'eau. Donc des grandes formations coralliennes qui constituaient une ville pour des crevettes. Mm-hmm. Et tout en haut, là, il y a une petite crevette. Il y a une microscopique crevette. Ouais, il y a même une étoile de mer qui est mollement allongée contre un des... Écoute, on a eu SpongeBob et Patrick hier, c'est parfait, il voilà. y a comme une continuité. Puis qu'est-ce que j'avais fait d'autre là-dessus ? Ah oui, j'avais fait une... Je m'étais un peu laissé aller sur cette page. Il y avait une grande formation rocheuse qui était censée évoquer la forme d'une baleine dans le petit bout de script qu'on avait, parce que c'était très tôt dans le projet. Et donc, en fait, j'avais fait toute la progression des personnages principaux sur la crête de cette immense montagne sous-marine. Mm-hmm. Ouais. Et puis après, j'avais rendu... ça, c'est l'arche, c'est le numéro 3 qui est là. Et c'est assez plaisant, en fait, de faire des mises en page. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais bon, c'est quand même beaucoup de temps, tout ça. Bon, alors déjà, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tant de temps que ça. Là, il y a à peu près, je dirais, une dizaine d'heures de travail entre la conception et... Et le reste, et en fait, en pré-prod et même en prod, en animation en tous les cas, il y a quand même du temps. Et donc, moi, c'est pour ça aussi que je me méfie un peu de cette notion oh là là, j'ai fait ça en 23 minutes. Je trouve que c'est un peu. Si c'est vrai, ce qui, à mon avis, n'est pas souvent le cas, ça sert à rien, on s'en fout, quoi. C'est le résultat qui compte, quoi. Alors, évidemment, il y a des contraintes de prod et il faut les respecter, il faut trouver un pipeline personnel qui va avec, quoi. Mais. Après, je sais pas si justement la question du temps, je pense que c'est parce qu'il y a énormément de peut-être de jeunes illustrateurs ou qui se font peur sur quand tu nous dis bah voilà c'est facile, c'est une dizaine d'heures de taf.
Alors bon, ouais, enfin disons que, alors bon, faut voir que moi je suis professionnel, donc je suis payé. En l'occurrence, j'étais payé à plein temps, quoi. Donc ouais, en fait, on me dit ben voilà, t'as une semaine, faut que tu nous présentes deux ou trois concepts pour ci, puis deux ou trois concepts pour ça. Mmh. Et donc voilà, et une question de peur à la limite. Enfin moi, je me suis éclaté pendant 10 heures à le faire. Hein. Donc et puis il y a un petit côté, j'avais d'abord, pour faire ce genre de mise en page, je fais tout ça au trait, je trace mes grandes masses, un peu comme on mettrait en page dans un logiciel de PAO, quoi. Mmh. Et puis après, après c'est le rendu, quoi. C'est vraiment, puis c'est, je dis pas que, alors bon, il y a aussi la technique que j'utilise au crayon de papier, pour tout ce qui est organique et tout ce qui est texture, ça paraît un peu bizarre, mais ça sort un peu tout seul, quoi. C'est-à-dire que la texture du papier, du crayon sur le papier, elle produit les éléments du design. Alors, faut pas se laisser non plus capturer par ça, parce que des fois, ça détourne de l'objectif initial. Bien sûr. Mais quand on a un petit peu de pratique, en fait, on sait à quel moment on peut se laisser aller à, à se surprendre soi-même, quoi. Et donc voilà. Ça, c'était une autre grande page avec un cargo qui était sous l'eau, qui était un des autres décors du film. Ça, c'est des images que j'ai jamais montrées, en fait. Donc, Attention, c'est inédit. C'est inédit. On n'a pas de badge inédit à faire apparaître sur l'écran. Non, mais c'est vraiment inédit. J'espère que je ne vais pas avoir d'appel des avocats. En fait, non, j'ai plusieurs collègues, je ne suis pas très courageux, qui ont déjà montré il y a quelques mois leur boulot. Et je n'ai pas encore repris le temps de rassembler les miens, quoi, sur ce projet-là, qui était vraiment un super projet, quoi. Vraiment, ouais, je regrette que ça n'ait pas été. C'est magique et visiblement, tout le monde a l'air d'être content. Là, on a Damien qui nous dit incroyable la roche baleine. On dirait une vraie photo tellement c'est bien fait. Merci au cadreur pour les zooms. Merci pour les détails. Et t'arrives à te... Est-ce que ça t'arrive de te relever la nuit pour faire un croquis apparu en rêve ou pas? Jamais. Jamais. Non, je brise un mythe très romantique. Non, la nuit, je dors. Ouais, non, c'est pas bête. Hein. Je pense que c'est un conseil que je donne à tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je fais pas de croquis en me levant la nuit. Ce que je fais, c'est que des fois, j'ai des idées, mais des idées que je peux coucher par écrit sans problème, quoi. Mais non, je fais pas de croquis la nuit, je dessine toute la journée, ça suffit, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis voilà. Et donc ça c'est un sketchbook de production. Alors pour ceux qui voudraient connaître la marque des crayons et des sketchbooks, alors je répondrai, on s'en fout. Et en fait, le conseil que je donnerais, c'est de prendre un carnet qui coûte pas cher, parce que plus ça coûte cher, plus c'est impressionnant. Ouais. C'est déjà assez impressionnant quand ça coûte pas cher. Alors bon, c'est pas la peine de s'en rajouter. Et alors la règle du Sketchbook Club dont je suis l'unique membre pour l'instant, donc si vous voulez me rejoindre. Alors, je suis sûr qu'il doit exister quelque part un Sketchbook Club. J'ai pas la prétention d'être le seul à faire des Sketchbook Club, mais ma règle à moi, c'est pas de spirale, parce que les spirales, c'est trop tentant d'arracher les pages, et en arrachant les pages, en fait, on enlève les mauvais dessins. Et du coup, c'est de la triche déjà, donc c'est mal. Et puis, le truc que les gens qui arrachent les mauvais dessins ne savent pas, c'est que, comme je disais hier, un dessin médiocre à côté d'un mauvais dessin a l'air vraiment très bien. Du coup, ça permet de maintenir une qualité globale plus élevée. Et si le dessin est vraiment trop affreux, on peut toujours le couvrir avec différents artifices qui sont pas très jolis non plus, mais bon. Donc voilà, et puis à côté de ça, moi j'ai aussi des carnets de croquis de pratique qui sont du dessin d'extérieur essentiellement. J'en fais un petit peu moins depuis un moment parce que j'ai deux enfants et que je les aime et j'ai envie de les voir. Ça se tient. Mais ouais, c'est pareil, quoi. C'est un autre genre de pratique. C'est pas c'est pas la même chose que le carnet de prod où en fait je l'ouvre le matin et puis je fais des recherches et puis je travaille dedans et puis ça par exemple voilà, je l'ai là, je l'ai là. Ça c'est les croquis que j'ai fait l'an dernier, il y a 2 ans je crois, quand j'étais à Paris en vacances. Écoute, voilà. Tu nous as mis des mois, tu nous as pas mis des années. Ouais, j'ai triché, c'est pour cacher mon âge, je suis un peu comme une vieille dame précieuse. C'est joliment dit. Voilà. Alors attends, on a beaucoup de lumière dessus. Hop. Ouais, attends. Comme ça, ouais, on est mieux là. On est bien. Ça c'est un carnet avec un format un peu inhabituel, donc à l'italienne. La plupart des carnets, le carnet de Croods et d'autres qui sont là. Deux d'entre eux, en tout cas, je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Celui-là, non, parce qu'il n'est pas fini. Donc ça, c'est une technique différente. C'est du marqueur crayon de papier. J'ai découvert le 16e arrondissement
Il y avait et en fait, j'y étais jamais allé parce que. Tu nous as dit que tu étais fort en archéologie, mais il y a de quoi du coup. Ouais, non, le 16e, c'est vraiment très joli. Il y a beaucoup de bâtiments Art Nouveau qui sont très très beaux. Et du coup, vu qu'on n'y va jamais, moi j'avais l'impression d'être dans un autre pays. Quoi. Et ça, c'était la rue, il y a l'ambassade d'Espagne, rue Greuze, qui est super belle, quoi, à côté du Trocadéro. Donc voilà, ça, c'est des croquis que je fais comme ça pour moi. Essentiellement, il ne faut pas se le cacher, c'est beaucoup d'environnement, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens dans ces dessins-là. Quoi. Sans la fonction Photoshop de masquer les gens et tout ça. On a une petite question de Ben qui dit est-ce que tu utilises un fixatif sur tes dessins? Alors pas sur tous hein. Mais en fait il vaut mieux parce que sinon il se barre quoi. À force de les feuilleter de les... Ce que je fais aussi c'est que sur certains d'entre eux je rajoute une feuille entre les... Je rajoute une feuille de papier imprimante dont je colle le côté dans la tranche du carnet. Ceux que je vous ai montrés tout à l'heure avec la baleine, le rocher en forme de baleine et puis le bateau englouti, il était vraiment chargé en graphite quoi. Donc lui, la moitié du trou dans la couche d'ozone, c'est à cause de moi, je pense. Là, je suis désolé les enfants. Mais... Ils font toujours la chasse au CFC ou finalement ça va. Donc voilà. Et puis donc j'ai celui-là. Alors ce carnet, le Moleskine là. Le précédent. Hop là. Un peu avec les doigts. Non mais normalement il est fixé donc ça devrait aller. Puis il est pas très chargé non plus. Celui-là. Alors attends. Bouge pas parce que je pense que Richard va nous faire un point plus à gauche. Oh, c'est marrant, on dirait avec l'encre, on dirait du gel là sur la. C'est ça. Ça, c'est vieux, hein, ça a 12 ans, ces dessins. Quand j'ai décidé de bosser dans l'animation, Tang, qui m'aidait à monter mon portfolio, m'a donné ce carnet. Il m'a dit, maintenant, t'as le carnet, puis tu le remplis. Quoi. Donc, c'était un ordre clair et précis. Donc, je l'ai rempli avec tout et n'importe quoi. Ça, c'était à Cleveland, où j'ai vécu pendant un an et demi. Où je devais vivre que 12 mois initialement, puis finalement, on a fini... J'ai passé 13 ans en Californie. Je l'aime bien celui-là. En fait, c'est la directe conséquence d'une expo que j'avais vue des gravures de Rembrandt quand j'étais au Louvre. C'est des gravures. Hein. Moi, j'ai fait un tout petit peu de gravures. J'en ai fait une et demie. Mais en fait, je voulais essayer de reproduire ce côté un peu le dessin qu'on monte comme une mayonnaise, un peu, lentement. C'est-à-dire que c'est par petites couches de hachures assez fines. Le feutre que j'utilisais pour ça, c'est un micron le plus petit qu'il y avait. Quoi. J'en ai brûlé 12 dans le carnet. Quoi. Parce qu'à force, la mine, elle se détruit. Quoi. Elle se détruit. Mais ça permet de monter des noirs vraiment de manière veloutée, on peut presque dire. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Et ce carnet, il a eu pas mal de succès. Alors après, les gens, ils me disent « Ah là là, faut en faire d'autres. » Non, en fait, c'est un peu pénible. Au bout d'un carnet, j'ai arrêté. Quoi. Au bout d'un carnet, tu t'es dit, je vais passer à autre chose. Ouais, je vais passer à autre chose. Et puis, c'était chouette. Celui-là, je me rappelle. Alors, bon, ce dessin-là, je l'ai fini chez moi parce que ça m'a pris du temps, justement, de monter tous mes noirs pour. C'était le musée de l'aviation à Dayton, dans l'Ohio. Et alors, il y en a un autre. J'anticipe un peu parce que souvent, on me demande s'il y a un croquis au crayon. Il y en a peu. Sur la fin, je me suis mis à devenir un peu plus. Il y avait un avion tout à l'heure sur une page que je vois. Je sais plus où est-ce qu'il est. Celui-là, je l'ai fini à la maison. Je l'ai commencé depuis la terrasse panoramique du printemps à Paris. Voilà, c'est celui-là. Alors les gens me disent t'es allé à un match de basket et t'as dessiné, t'es vraiment taré. Non, c'est faux. Enfin oui, je suis taré, mais pas pour ça. J'ai fait ma perce qui est assez simple. Hein, c'est une perce en plongée. J'ai mis les formes de mes premiers plans. Et puis j'ai regardé le match. Et puis après, quand je suis rentré à la maison, après je l'ai fini. T'as fait ton dessin, mais de mémoire. Voilà, Donc voilà, celui-là, c'est un autre. Moleskine, c'est un peu compliqué au crayon. Le papier, je trouve qu'il est un petit peu difficile. Ouais, il est peut-être trop lisse. Donc au feutre, ça se passe un petit peu mieux. Et puis voilà. Donc ça, c'est des carnets de pratique quoi, que j'encourage chacun à faire quoi, parce que c'est important de garder la main sur ce genre de pratique quoi. Et puis en fait quand on s'assoit et qu'on passe beaucoup de temps à dessiner quelque chose de fait on se met à regarder ce qu'on est en train de dessiner et à force de le regarder il n'est pas exclu qu'on se mette à le voir en fait et ce que je veux dire par là c'est que
On passe devant des choses tout le temps, on les regarde, ça passe devant les yeux. Et en fait, le fait d'analyser la forme, et en fait, enfin, pour moi, le dessin, c'est ça, il y a trois dimensions en face de nous, et nous, on en a deux, et par magie, on arrive à rendre l'illusion de cette profondeur et de ce volume, quoi. Mmh. Et j'avais un prof de perspective qui nous avait fait remarquer que magie, c'était l'anagramme de image. Et c'est un truc qui m'avait frappé parce que c'est vrai quoi, c'est vraiment du domaine de l'illusionnisme quoi. Mmh. Et donc tout à pour ça, il y a toute une série de règles comme la perspective. Et bref, tout ça pour dire que ouais, à force de regarder vraiment les choses, je pense que c'est pour ça que tout le monde devrait dessiner un peu. Je dis ça à l'école, hein, je pense que ça devrait être beaucoup plus enseigné parce que on se met à s'apercevoir à quel point on reste en surface quoi. Ouais. Et le fait de se prendre le temps de dessiner les choses, ça permet de s'apercevoir que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Quoi. Donc, je pense que c'est une bonne habitude à avoir. Quoi. Ouais, et puis après, on a quand même une fâcheuse tendance à passer et à ne pas s'arrêter. Ouais, ouais. Pas, voilà, c'est donc, un petit peu la suite sur tout ça. Ok. Donc voilà. Et ben écoute, merci beaucoup de partager ça avec nous. Ah ben, de rien. Je viens de découvrir sur ArtStation la flèche que je cherche. Non, mais c'est ça, ok. Non, c'était très sympa de pouvoir partager ça avec toi, partager les carnets, partager, faire un petit crochet là-dessus. J'espère que ça a permis à tout le monde bien de découvrir Nicolas, parce que je pense que Dragon et Dragon Croods ou autre, tout le monde en a déjà entendu parler. Mm-hmm. Et mais on a moins l'occasion de voir les gens qui sont derrière ces productions gigantesques. Mm. Merci beaucoup. Bah, de rien, c'était un plaisir. Et on se fait une petite pause et puis on va enchaîner avec Monsieur Cassis Lib, qui est avec nous, que vous connaissez déjà un petit peu, mais je lui fais revenir. Merci, à tout à l'heure. The latest release of Photoshop CC includes powerful new features to help you work even better. Get more control over your design with our improved content-aware fill tool powered by Adobe Sensei. Choose which pixels to use in your fills and which to exclude. You can even create fills on separate layers. And turn shapes or text into frames with our new frame tool. Just drag and drop images whenever you're ready and they'll automatically be resized to fit the frame. Now you can paint in a perfectly symmetrical pattern thanks to our new symmetry mode. Then you can choose from preset types like circular, radial, spiral, and mandala. Just choose your axis or axes and the number of segments. We've also made a number of user experience improvements to make Photoshop more intuitive. This includes our multiple undo function, allowing you to go back multiple steps without having to use the history panel. Just Command Z as many times as you need to get back to where you want. And you can work uninterrupted with our new auto commit feature. Your actions like crop, place, transform, and text entry will be automatically committed when you click on a new tool or layer. You don't have to hit return or check the box anymore. Now when you're using blend modes, you can see a preview of each mode on your canvas before you commit to a change. This saves you the time of having to guess and then undo if you don't like the results. Check out all this and more in our new release of Adobe Photoshop CC. The latest... Bonjour à toutes et à tous. Bonjour.
Bonjour, vous le reconnaissez, c'est Cassis Lib. Je le reçois très régulièrement parce que c'est pas parce que c'est un bon client pour la télé, ça marche. ça marche chez certains des gens qu'on croise. Si c'est le cas d'ailleurs, t'es un bon client. Pour la télé ? Ouais, pour la télé. Bah, faudra qu'on le dise à la télé. Je suis télégénique. C'est ça. Et puis t'es pas chiant à détourer en plus. Mais c'est bien, c'est que là on fait de plus en plus chauve en fait. Il y avait Nicolas juste avant qui avait encore un peu de cheveux. Moi on arrête tout. Mais tu sais que j'ai démarré par Jean-Baptiste Monge. Ben voilà. Donc je sais pas qui est le prochain, mais a priori il a très très peu de poils. Il va avoir très peur. Je fais une interview de notre photographe. Ah bah voilà, c'est bon. C'est progressif, on est bon. Donc Cassis, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est intervenu chez nous régulièrement sur la chaîne Adobe France. Il est intervenu sur plusieurs sujets, parce qu'en fait il a l'heure d'être capable de faire plein de choses différentes. Et donc je t'ai fait intervenir sur de la macro-photo et sur de la peinture et de la caricature. Absolument. Regarde, à l'époque t'avais plus de cheveux encore sur cette photo-là. Voilà, tu vois, c'est progressif. On y est. C'est le contour progressif. Donc quand tu étais là, tu t'es venu nous parler de comment tu shootais. T'avais ramené une demi-tonne de boîtiers, demi-tonne d'objectifs pour qu'on puisse comprendre un petit peu la manière dont tu capturais des instants d'animaux qui n'étaient pas dressés. Voilà. Peu dressés en tout cas. Très peu dressés. Et assez vifs. Parce que la blague quand même, c'est que quand moi je t'ai découvert, et c'est ce que vous irez regarder cet épisode, je savais pas encore qui tu étais réellement. T'étais le mec qui photobombait les photos des autres. Non, donc, à l'époque je faisais moins ça. Tu faisais moins ça, ouais. C'est venu après, c'est où venu on me voyait moins, parce que j'avais plus de cheveux, du coup on me repérait moins. Il y a peut-être ce truc là. Et en fait le truc juste avant pour moi par rapport à ce que tu sur quoi tu travailles, c'était ça. En fait, ce qui va nous manquer là, c'est la prise Ethernet qui est entre la deuxième à droite. Là ? Ouais, pousse un peu. Je pense que voilà. Okay. Et là, tu as un nouveau Internet. Impeccable. Est-ce que tu étais... Ah, j'avais déjà plus... tu vois, comme quoi ? Là, c'est 2016. Et l'autre, et plus 2017. Tard. Ah oui, mais là j'avais... Ah non, mais c'était sur la photo. Hein. La photo, elle est... Ouais, t'as sorti une vieille photo en scred de... Oui, voilà. Non, mais ça me rassure. Très bien. Alors, attends. Et du coup, ouais, sur cette deuxième session, tu étais venu nous présenter un petit peu ton travail de caricature. Et je t'avais fait réaliser un exercice un peu sur cette première... Périlleux, très périlleux, qui était de peindre en direct. Absolument. Et ça, je sais que c'est un peu le challenge. Tout à l'heure, on a reçu Flore Maquin qui nous a présenté justement son boulot de dessin. Ça passe ou ça passe pas, du coup ? Non, c'est tranquille. Tranquille, mais il charge ou tranquille et il rame ? Non, il est là. Ah zut. Parce que j'aimerais bien pouvoir partager aussi ton écran tout à l'heure sur ton site, mais c'est pas grave, on ira sur le mien. Ouais, non mais si, bon, ça va... Non ? Non, là, ça fait plus rien. Bon, c'est pas très grave. Ouais. C'est pas très grave, on va rester ici. On va rester ici, on rebranchera le câble qui doit être quelque part en dessous dans 5 minutes. Et donc, je t'avais fait dessiner en direct parce que je sais que c'est un des trucs qui intéresse nos utilisateurs ici. Ouais. Et en fait, c'était grâce à toi. Il faut juste pousser, si tu tires, il y a plus de live. C'est bon, Richard, c'est bon. Merci. C'est toi qui avais fait gagner Trump. Alors non. Je ne prendrai pas la responsabilité de ça. Non, mais pour dire, c'est drôle, c'est que pour dire comme c'est périlleux comme exercice, c'est que du coup, j'avais préparé le croquis avant, et à la fin de l'heure, parce que ça durait qu'une heure et que c'était un peu court, et que du coup, à la fin de l'heure, je détestais le résultat, et j'étais vraiment pas fier du truc. Et donc, en fait, après, j'ai passé la semaine après le live. Ouais. À refaire l'image, à bosser sur l'image, à bosser sur l'image pour pouvoir après la poster le plus vite possible pour oublier, voilà, pour passer outre ce truc. Non, mais pour montrer la finalité de la vraie finalité, parce que regarde la tronche. Hilary, on sentait bien que t'avais pas travaillé dessus. Voilà. C'est bête parce que du coup elle est allée beaucoup plus vite après. Mais même Trump, tu vois, il est pas. Et en fait la finale, elle ressemble plus des masses à ça. Bref, donc c'est vrai que c'est assez périlleux et c'est vite court en fait. On est vite pris de court dans cet exercice. Mais heureusement, on a cette image terminée, finalisée, qui n'a plus rien à voir. Qui n'a plus rien à voir du tout. Et donc c'est drôle parce que c'est vrai que on avait fait le live genre entre les deux tours. C'est ça. Entre les deux tours, c'était en mode il reste plus que deux candidats, tout ça. On va voir un peu. Non, c'est. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça d'ailleurs là-bas. Mais. Si, ouais. Ouais.
et donc c'est grâce à cette image que c'est passé. Je ne sais pas. Félicitations. J'espère pas que ça. Voilà, je te dis encore une fois, je ne prends pas. Qu'est-ce que tu penses de cette implication? je n'assume pas du tout. À part que effectivement, ça donne beaucoup de matière aux humoristes et à Twitter, mais sinon, c'est vraiment le seul avantage, si c'en est un, de l'avoir et qu'il ait gagné. Bon bah. Bon bah voilà, c'est voilà. Fait. Hein, mais je suis encore content de ce dessin, tu vois. Donc ça va. Ouais, donc tu vois, ça vaut le coup de s'acharner sur un truc un petit peu, d'aller un petit peu parce plus loin. Parce qu'en général, ça va assez vite. La semaine d'après, je déteste les trucs que j'ai fait, mais du coup, là, celui-là, ça va encore. Bon, je vois des trucs. Hein, mais ça, sinon, c'est pas drôle. Mais bon, mais j'aime bien la tronche de Clinton, en fait. Le petit gni. Le petit air un petit peu pincé. Ouais. Du coup, on a réussi à brancher ta machine. Absolument. On va pouvoir regarder un petit peu ce que tu nous as, ce que tu as sur ton écran. Qu'est-ce qui s'y passe et dis-nous. Alors, du coup, parce que donc j'ai refait mon site il n'y a pas si longtemps que ça, je crois un peu cet été, parce que du coup, j'avais 2 ans de retard au niveau de ça se tient, mises à jour de dessins. Donc les derniers dessins avaient à peu près 2 ans et demi. Donc je me suis dit bon, il faut que je poste tout ce que j'ai fait depuis 2 ans. Donc je me suis dit c'était l'opportunité de faire un peu peau neuve sur le site, d'autant que c'est pareil, les plugins, tout ça, enfin plus rien n'était à jour. Et le thème n'existait plus, enfin bref, c'était impossible de changer quoi que ce soit. Oui, parce que t'es pas juste photographe d'insectes, t'es pas juste illustrateur, en plus tu fais ton site tout seul à la main. Oui, alors, parce que du coup, comme j'ai un parcours un peu éclectique, après l'école, alors déjà j'ai fait une école de graphisme, donc du coup j'ai fait du graphisme. Et après je suis rentré dans une boîte de web pour faire du motion design, certes, mais où du coup on faisait des sites, quoi. Et comme on faisait des sites, moi après j'ai fini par regarder un peu comment marchait le code, un peu comment marchait Flash à l'époque. Devenu Animate, certes, mais voilà. Donc, du coup, j'avais fait mon site moi-même sur Flash avec du code un peu, machin. Et puis du coup, surtout, quand je comprenais pas quelque chose, j'allais demander aux codeurs, dont c'est le métier et qui avaient chacun leur spécialité, de m'expliquer un peu des trucs. Donc, je sais pas coder de zéro un site, mais par contre, là, c'est un thème WordPress. Et du coup, après, surtout le site d'avant, je l'avais vraiment plus customisé, mais par contre, du coup, après, je peux aller voir dans le code et puis changer 3 trucs, faire un peu de CSS, un peu d'HTML si besoin. Ça te fait pas peur de rentrer dans la technique sur ce... Non, ça va mettre un peu de temps de retrouver un peu mes marques. Mais en tout cas, je comprends le langage. Je peux pas le créer, mais je peux le modifier, quoi. Donc voilà, donc du coup, j'ai refait mon site, j'ai mis à jour. Et donc, il est complètement à jour parce que maintenant, j'ai pris le réflexe. Alors, si je le garde, c'est bien, mais j'ai pris le réflexe de mettre à jour direct. Et de même commencer par le site avant Instagram et tu fais carrément une chronologie inversée des médias. Ouais. Mais parce qu'avant en fait c'était le piège alors déjà maintenant j'en ai un peu marre des réseaux sociaux parce que j'ai un peu de mal, mais du coup j'ai inversé le truc parce que comme je postais sur les réseaux, en fait j'avais des retours, des machins, puis c'était parti, quoi. Et du coup je mettais jamais sur mon site, et donc là ça marche depuis 2 mois ou 3. Je vais essayer de continuer comme ça. Et effectivement, maintenant, je poste d'abord sur mon site, que personne ne va voir, mais au moins ça y est. Et quand j'ai besoin d'envoyer l'adresse, c'est à jour. D'avoir une référence et tout, les gens savent retrouver. Exactement. Après, c'est un blog, donc je crois qu'il y a moyen de s'abonner à quelque chose. Enfin, c'est pas un blog, mais c'est sous forme de blog, quoi. Donc du coup, il y a moyen de s'abonner au flux. Il doit y avoir un flux RSS quelque part, ou d'agréger le truc, ou de voir les nouveautés, ou voir même, je sais qu'il y a il y a des gens qui reçoivent toutes les semaines ce que j'ai posté dans la semaine. Donc c'est possible, quoi, de faire ça plutôt que d'aller sur Instagram, etc. Mais en tout cas, il est à jour. C'est bon. Il y a plus d'excuses pour pas voir ton contenu. Voilà. Voilà, en tout cas pour l'instant on est bon. Pour l'instant. Ouais. Tu penses qu'il y a un moment où tu arrêteras de le... Non, je vais essayer de garder cette optique et discipline. Cette discipline, ouais. C'est bien, c'est ça. Le mot que je cherchais. On cherche toujours un petit peu de discipline. Exactement. Ah oui, donc du coup on est dessus. Maintenant qu'on est sur ton site, dis-nous ce qui s'y passe. Alors c'est vrai que du coup là ça fait quelques... Alors j'espère que ça va s'arranger, c'est un peu long parce que c'est des grosses images. T'es le premier à ne pas dire du coup mon site n'est pas à jour. Là c'est bon. Exactement, c'est bon.
On arrête les cordonniers les moins bien chaussés. Là, du coup, voilà, c'est à jour, le site est là. Et donc, effectivement, alors la caricature, j'en fais un peu moins maintenant, mm-hmm. parce que ça a un peu évolué, et puis et parce que ça me plaît toujours, mais du coup, ça me plaît encore plus d'y retourner ponctuellement plutôt que tout le temps. Sabrajo, c'est pas le sosie de Franck, si, c'est ça, il l'a même mis en photo de... Je l'ai mis sur mon Insta pendant un moment, je l'ai pas encore utilisé en c'est tant que photo de profil. Si vous voulez... Si vous y connaissez quelque chose au catch... Ouais, ou à Franck. Ouais. Alors voilà, si vous trouvez une ressemblance... Ah, il y a un truc, hein. Il y a un truc, mais c'est pas ça, mais c'est... on peut faire un sondage à notre foule de trois personnes. Exactement. Ouais. Donc c'est à jour. Et donc, moins de caricatures, un peu moins, moins de caricatures. Beaucoup moins de digital aussi, puisque du coup, j'ai enfin réinstallé une façon de bosser à l'aquarelle chez moi. Vu que depuis que j'avais déménagé, c'était un peu compliqué de bosser en tradi. Et j'ai enfin organisé mon petit bureau de manière à pouvoir faire de l'aquarelle. En fait, maintenant, j'ai toujours mon chevalet de table avec un bloc dessus. Maintenant, je me suis même fait un truc pour l'éclairer bien pour des deux côtés et avec une petite GoPro. Des... ouais. Alors, je fais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct, mm-hmm. J'ai fait beaucoup. Ah bah oui, c'est ça que je peux montrer aussi. C'est ça. J'ai surtout aussi ma chaîne YouTube. T'as une chaîne YouTube maintenant ? Eh ben oui. Bon, T'en avais déjà une. Ouais, depuis super longtemps. Mm. Les premières vidéos, c'est de la musique quand je filmais. Ma femme qui est musicienne et que j'allais filmer ses concerts. Est-ce que ça marche comme ça ? Normalement. Alors on tombe, bizarrement, on tombe sur Adobe. Désolé. Adobe France, forcément. Cassis Club YouTube. Hein, voilà. Ça me paraît bien, ça. Et donc, oui, là, j'ai mis pas mal de démos. Alors, il ne faut pas regarder les grises quand on est sur la chaîne Adobe. Parce que du coup, il y a un code couleur. Donc, regardez les oranges plutôt. On va regarder les oranges. Voilà. Et voilà. Et donc il y a un peu de tout. Alors non, il faut mettre ça, vidéo. Et j'en ai. Et oui. Et en fait, ah oui, il y a un moment. Ouais, j'en ai mis pas mal. Alors il y a des trucs qui sont très accélérés parce que je filmais en accéléré, tout simplement. Et puis parce que ça me semblait un peu long. Et en fait, là dernièrement, je les mets en temps réel. Donc il y a pas mal de portes. Alors oui, non. Si je montre avec le doigt, ça va pas marcher Les gens ne voient pas ton doigt. Mais donc les oranges comme ça, il y en a quand même qui font genre 50 minutes, une heure. Je crois que celle-là, ouais, une heure. Bref. Il se passe un peu de temps et du coup, on voit vraiment l'évolution du truc. Il y a un peu de gouache. Ça, c'est de l'huile. Ça, c'est intéressant. C'est de l'huile, mais c'est Winsor & Newton qui a inventé ça. Et c'est de l'huile qui se mélange à l'eau. Vas-y, clique. Je clique. Clique, n'ayons pas peur. Il y a 7 minutes. Tu les mets 7 minutes, ouais. Faut que j'enlève le son, je pense. Ah bah voilà. Et donc voilà. Bah donc, on voit là en dessous, il y a mon... Ah non, c'était pas celui-là. Bon, bref. C'est celui-là, mais je veux dire, là c'est sur mon bureau même, c'est pas avec le rig. Je crois que j'avais une photo quelque part de mon superbe rig de film, mais du coup, ouais, pratique. Et du coup, effectivement, j'ai pu beaucoup plus peindre à l'aquarelle et beaucoup plus refaire d'aquarelle. Donc, grosse année depuis un an, quelque chose comme ça, où il y a un moment même, je crois que j'en faisais un par jour presque, ou quelque chose, ou un truc du style. Donc voilà, le site est blindé de portraits à l'aquarelle, pas beaucoup de caricatures, mais plus du portrait. Donc il y a un peu d'huile, il y a un peu de gouache, il y a quand même beaucoup d'aquarelles parce que c'est quand même. C'est surtout ce qui va le plus vite, ce qui sèche, parce que l'huile, j'adore ça, mais il faut vraiment le laisser, il faut sécher. Il faut vraiment avoir du temps et tout, voilà. Tu peux pas y aller et au sèche-cheveux. Ouais. Et puis j'ai une petite fille aussi, donc du coup, l'huile de térébenthine qui sèche ou qui traîne, les trucs. Elle est grande, hein, mais. Mais elle trouve ça cool quand même de mettre les doigts dessus. Voilà. Ouais, c'est sympa. Non, mais c'est bien, elle dessine avec moi et tout, elle peint et elle adore. Mais c'est vrai que l'huile, je lui ai pas présenté encore. Ouais, non. T'es pas joueur. Hein. Bah non. Pas là-dessus. Non, mais elle fait de l'aquarelle, elle fait du crayon, elle me demande de dessiner, elle me demande comment on dessine des trucs et tout. Et voilà. L'huile, pas encore. Mais donc, oui, pour ceux qui aiment bien l'huile, mais qui aiment bien quand ça sèche plus vite et quand ça sent pas trop fort. C'est pas mal, hein, les trucs Winsor & Newton, là. Mm-hmm. Donc, je suis pas sponsorisé, mais c'est pas désagréable. Ça permet de retrouver un peu des matières et tout ça, mais encore une fois, en séchant un peu vite. En séchant un petit peu plus vite et en pensant vraiment au truc. Exactement.
C'est cool. Mm. C'est fort sympathique. YouTube Session, à bientôt pour Alexandre qui nous quitte aujourd'hui. Ah, salut Alex. Salut Alex. Ouais, Alexandre est venu, il a posté 18 liens, il a disparu. C'est bien. C'est pas de chance. On va le retrouver un petit peu plus tard. Je te remercie beaucoup du coup pour ce petit passage. Est-ce qu'il y a d'autres petites nouveautés? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ou est-ce que pour l'instant t'es zen là-dessus? T'es au calme? Ça commence de quoi, pardon? Ah oui, non, ça, oui. Non, non, ouais. Oui, on n'est pas obligé de mettre... Si on va accélérer, en fait, on va surtout accélérer. Ah bah, c'est ça, on va faire le classico Frank, Frank à mettre en x2. Non, mais même, c'est... Regarde, ça non, ça, mais ça, voilà. franchit les étapes, ouais. Dangereusement. Tu vois, ce t-shirt rouge n'est pas du tout rouge, en fait. Exactement. En fait, il est devenu un peu bleu, bref. Et est-ce que ce que tu fais en traditionnel inspire ce que tu fais en digital derrière? Oui, en ouais, c'est ou... hyper corrélé chez moi en tout cas. Mm-hmm. Puisque en fait, moi j'ai. Ah ouais, ça me voyait ma palette, c'était drôle. Du coup, moi c'est vrai que j'ai. Alors je remets mon site qui est là pour voir justement la masse d'aquarelle. Effectivement, moi du coup, j'ai commencé en tradi, j'ai mm-hmm. fait des études en tradi et tout ça, donc le digital c'est venu plus tard. Et en fait, le digital a énormément servi mon tradi. Mm. Et du coup, maintenant, c'est vraiment corrélé, quoi. C'est-à-dire que ce que je fais en digital, ça va me servir parce que je vais pouvoir tester des couleurs et tester des trucs ou même des dessins. Et en fait, maintenant, alors un peu moins avec l'aquarelle parce qu'une fois que c'est parti, mais ça arrive aussi que je fasse des croquis en digital. Que je regarde un peu jusqu'où je peux aller dans la déformation, pour les caricatures par exemple, jusqu'où mm-hmm. je peux aller, que je teste des trucs dans couleur ou en dessin, et que du coup après je revienne en tradi quoi. Mm-hmm. Et puis pareil aussi, je peux faire du tradi, puis refaire un peu, de toute façon je les scanne, et puis je regarde un peu sur Photoshop ou sur quelque chose, histoire de voir s'il y a des trucs à faire en plus. De temps en temps, j'hésite aussi parce qu'au tradi, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça, hein, c'est un peu le risque, c'est un ça. Peu la mise en danger là-dessus. Hein. Exactement. Donc du coup, ça m'arrive aussi quand j'hésite sur des trucs et que c'est en cours, de scanner ou de photographier juste le dessin, puis d'essayer sur Photoshop un truc et de voir si ça marche et si ça fonctionne, bam, je le refais en tradi derrière et tout. Donc voilà, encore de l'aquarelle. Ouais, j'en ai fait pas mal. Il y a un paquet quand même. Voilà. Ça, c'était ma petite démo de l'année dernière. Ah, je me rappelle même, celle-là, vas-y. Moi. Et je crois qu'il y a le timelapse, puisque Sketch le permet. Adobe, Photoshop, hop. Sketch. Exactement, sur Sketch. Et voilà. Je vais mettre ça. Ouais, parce que hier, j'ai reçu Maxime Schild, et je lui ai fait le piège de une fois de temps en temps, tiens, est-ce que t'as vu Photoshop Sketch et de le mettre dessus. Il fait, ah, t'es salaud. Arrête de faire ça. Ça devrait pas être permis. Non, moi ça me permettait surtout de montrer un petit peu de montrer l'existence de cette appli, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, est-ce que c'est suffisant par rapport à leur boulot ou pas, Bah moi d'expérience c'est assez fun pour croquer pour le sketch, ouais. Direct, ouais. Pour sketcher, parce que du coup il y a quand même ce qui est très cool, c'est qu'on récupère toutes nos brushes Photoshop, puisque c'est en lien avec le cloud, donc du coup on peut, il y a pas de réhabitude à des brushes qu'on connaît pas, ouais. Ou alors avec des brushes qu'on aime pas trop. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quand même beaucoup bossé sur Photoshop et qu'on a fait son pack de brushes, ou que on a fait son pack de brushes et qu'on en a quatre qu'on adore et avec lesquels on fait tout, au moins là on sait qu'on les balance, et à part je crois quelques minimes options. Alors, en fait je crois qu'il y a toutes les options de smudge qui n'existent pas directement dans, ah, ouais, okay. dans ouais, Photoshop voilà. Sketch. Ouais. Et du coup c'est vrai que ça c'était un des gros trucs qui manquait. On a évoqué un petit peu hier le projet Gemini, on l'a évoqué. Très bien. Parce que, ouais. Parce que c'est quelque chose qui a été annoncé à Max en octobre. Oui. Qui est un petit peu l'avenir, le futur. Mais oui. Et du coup, voilà, ouais. on a eu des retours déjà hier sur il y a ça qui manque dans Photoshop Sketch, il y a ceci, il y a cela. Oui, du coup, ça s'incrémente. Avec ce temps numérique qui va très vite, ouais. Je sais que les utilisateurs sont impatients. Mais il vous suffit de rester avec nous sur la chaîne et puis vous verrez. Exactement. Bon, là, ça remonte un peu plus. Hein. Ça remonte, hein, parce que cette expo de requins, je l'ai vue. C'était il y a un an, je ne sais pas où c'est. Ouais, là, il y a des requins. C'était il y a un an pile. Non, il y a un peu plus, c'était en janvier 2018. Ouais, vas-y.
Alors ça, faut pas marquer. Non, mais c'est sur Coral Paint. C'est pas grave. On cache. Tu peux pas cacher cet écran, ça ne marche pas. Ouais, je sais. Mais on peut dire que. On peut montrer le requin. Oui, on peut montrer le requin. Ouais. Oui, donc du coup, c'est vrai que j'avais fait une expo de requins. Alors, est-ce qu'il y a des photos? Je crois que j'avais mis des photos quelque part. Puisque du coup, j'avais commencé à faire des requins. Alors, c'est drôle, j'ai compté. Et je crois qu'en fait, le premier, il a 8 ans ou un truc comme ça. Oui, c'est un vieux requin maintenant. Ouais. Je sais pas ce que ça fait en années humaines, les années requins. Je ne sais pas non plus. Mais je crois que ça vit pas assez vieux, quoi. Donc voilà, l'affiche. Et aussi de mes animaux un peu cartoon, puisqu'en fait, les premiers dataient aussi de la même époque. D'accord. Donc c'était drôle. C'est que du coup, entre-temps, j'avais fait des séries, puisque j'avais pas arrêté. Ouais. Et donc du coup, c'est deux séries qui se sont étalées sur 8 ans. Et qui continue pour les animaux en cartoon. Les requins, c'est vrai que j'en ai pas refait depuis un bail, parce que j'ai fait c'est pas que j'ai fait le tour, on n'a jamais fait le tour, mais j'en ai fait pas mal. Et du coup, le principe de l'expo qui était très drôle, principe d'expo. Voilà. C'était qu'il y avait beaucoup de requins avec plein de techniques différentes. Essaye de pas tout casser. Non, mais tu viens de casser la caméra. On ne filme pas, moi. C'était beaucoup de requins dans beaucoup de techniques. Du coup, il y avait du digital, du croquis, de l'huile, de la gouache, de l'aquarelle. Il me semble que... Et du coup, même comme la galerie s'appelait le fil rouge, on voit celle-là, là, cette photo-là, où du coup, j'avais fait un requin avec un fil et des clous. Et je crois que c'était un peu toutes les techniques, quoi. Et si j'avais fait en live aussi, j'avais fait ce grand là en live sur une planche de bois. Et en face de ça, il y avait plein d'animaux, mais toujours avec la même technique, qui était en digital avec une petite brosse fine. Pardon. Voilà. Je commence à m'enrouer. On sent que c'est la fin. Ce n'est que le deuxième jour. Et donc oui, voilà, il y a eu cette expo. Olivier qui demandait si j'en avais une autre en préparation, et non. Non, pas d'expo à venir. C'est pas prévu encore, parce que j'ai pas de galerie prévue et tout ça. Moi, j'aimerais bien en faire une de portrait à l'aquarelle, vu que je commence à en avoir un bon paquet. Je vais essayer de remettre mon portfolio. J'aimerais bien en faire une de portrait aquarelle, portrait et caricature, mais aquarelle, parce que j'en ai beaucoup. Et j'en ai beaucoup en assez petit format, donc du coup j'aimerais bien faire un grand mur avec beaucoup de petits cadres et beaucoup de petits portraits. Il n'y a que celui-là qui est très grand, qui fait un format raisin, qui est là, qui pourrait trôner sur un mur en face par exemple, si je l'assume toujours à ce moment-là. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Il faut juste que je trouve une galerie que ça intéresse, et puis voilà. Hein, bah écoute, ce sont des choses qui se trouvent. Oui, voilà. Et donc voilà. Et donc comme j'évolue aussi pas que en dessin, en photo, depuis les macros, j'ai eu le grand plaisir de me faire offrir un drone. Donc je suis passé à la drone photographie, n'est-ce pas, que j'adore. C'est juste un réel plaisir de faire ça. En fait, ça change tellement la vision du truc. Il y a des gens qui arrivent. Ah, il y a du bruit dans la salle. Elle essaye de me déconcentrer, mais elle sait que c'est impossible. Et donc drone, j'ai fait un portrait superbe aussi. Et vous trouvez ça drone? Ouais, exactement. Non, mais le drone, c'est hyper bien. Du coup, ça change le regard vraiment incroyablement sur ce qui nous entoure. Parce que du coup, ça, on prend forcément de la distance. Et en plus, ça réveille un peu le graphiste qui est en moi, où du coup, j'aime bien les trucs comme ça, là, les vues de haut, un peu géométriques. Y a celle avec des immeubles qui un peu centrés et tout ça. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Donc je pense que vous en verrez plus. Ouais, genre les montagnes. Ah, on est allé. Oh là, voilà, la Camargue avec celle-là. Là. Alors, justement, parce que t'as fait plein de voyages. J'ai vu des voyages avec... avec les Warden Light. Voilà, alors c'est vrai que déjà moi j'ai de la belle famille en Camargue, donc on est en Camargue et j'ai pris les
les marais salants et tout ça. Après, je les ai invités chez moi dans les Alpes du Sud, où on a eu la chance d'arriver après une énorme saison de neige. Et du coup, ils avaient vidé tout le lac de Serre-Ponçon pour faire de la place à la neige qui fondait. Et donc moi, en 35 ans de vacances là-bas, j'avais jamais vu ça. Et ça nous a donné des décors comme ça, tout sec, de fond de lit de lac vide. Et donc ça, c'était assez fou, avec ouais, c'est vraiment, enfin, dingue, quoi. Voilà, c'est tout ce qui restait du lac pendant qu'il l'avait vidé. Puis on a eu la chance d'aller en Bulgarie aussi, où du coup, j'ai pu faire des trucs un peu plus Alors ça, c'est la Camargue. Ah, juste avant, c'était la Bulgarie. Ça, c'est encore les Alpes. Il faut que je vous essaye de trouver la Bulgarie. Mais ça, c'est ça, voilà. Ça, c'est Bulgarie. Ouais, c'est tout mélangé, ce que je fais, mais c'est pas très grave. Non, voilà, la Bulgarie, c'est la cathédrale de Sofia. Cathédrale de Sofia. Et voilà. Ça, du coup, tu l'as en photo, et pas forcément en vidéo derrière. Non, alors c'est drôle, c'est que du coup, moi, je viens de la vidéo, effectivement. Donc au début, avec le drone, je faisais beaucoup de vidéos. Et en fait, je trouve ça assez inintéressant à monter et à montrer. À monter, c'est pas très drôle. Bah, c'est-à-dire que ça devient... Après, moi, je vois des vidéos faites au drone qui sont juste ouf. Et puis... Et du coup, c'est vrai que ça donne encore des autres points de vue. Et j'en fais encore, hein. Du coup, je fais des petites vidéos, mais c'est vrai que je les monte pas, je les garde chez moi, puis de temps en temps, je les regarde juste pour de l'inspiration. Et en fait, dans un deuxième temps, j'ai commencé à faire plus des photos et à donc plus m'arrêter avec le drone, puis à cadrer et tout ça. Et en fait, je prends vraiment plus du plaisir à faire des photos au drone que des vidéos. Parce qu'il y a des trucs, dingues, quoi. Ça, ouais. Ça, j'avais fait un petit panoramique un joli panoramique aérien, donc voilà, très cool. Et puis en animaux, c'est pareil, du coup je fais quand même toujours du macro, mais enfin de la macro, mais je suis passé du macro, la photo sous-marine. Je fais que des macros après je vais les afficher parce qu'il n'y a pas de raison. C'est Warden Light qui essaye de me montrer leur cul pour me déconcentrer. Donc moi, comme j'assume, c'est pas très grave. Et voilà, c'est pas moi qui m'affiche finalement. Cool. Ça va. Je crois qu'ils vous parlent d'eux. Ils ont bossé sur un petit film pour enfants. Sur un truc d'araignée. C'est de la macrophotographie aussi. C'est ça. Ouais. Je crois que ce film n'aurait pas été possible sans eux. Ah mais c'est exactement ce qui a été dit sur toute la presse nationale. Je crois que c'est ce qui se dit en France en tout cas. À un moment ils étaient un peu malades, ils ont failli arrêter la prod. Il y avait plus rien, quoi. C'était. Donc bon, voilà. Heureusement, ils ont pris du Fervex et puis c'est même... Hein ? Ouais, ils vont se venger mais je les connais, ils vont faire ça... Il va y avoir vengeance. Là, on sent que le moment est en train d'arriver. Ouais. Je vois, il y a une question de David de Villay qui nous dit comment est-ce que vous appelez cette technique de photographie. Donc je sais pas s'il parlait de macro. Un macro. Voilà. Voilà. Macro. Donc on va voir. Et puis comme vous avez pu l'entendre, donc il y a nos amis de Warden Light qui sont là, qui vont remonter leur belle parce que c'est quand même pas sérieux. Hein? Ben ça, qu'il y a une table, quoi. Et qui vont essayer de passer après Cassis, ce qui est pas évident. Voilà. Moi j'avais la pression, je suis passé après Nicolas Weiss. Bon, du coup c'est pas le même dessin, c'est pas les mêmes cheveux. Faut avouer, mais voilà, moi c'est autre chose, quoi. C'est ça. Prochain est plus poilu, si je peux me permettre. Le prochain le sujet d'après est velu, effectivement. Voilà. Et je ne parle pas de l'araignée, effectivement. Je veux bien pendant 4 secondes un plan sur mon écran et nous en petit. Je sais pas si on sait faire ça. On devrait savoir faire ça. Voilà. Ah, on a la visite de Benjamin Couronne de Yamag. Ouais, t'as vu Benjamin Couronne de Yamag. Il faut venir à Yamag, hein, c'est bien. C'est toujours sympa. Il y a du monde. Donc pour ceux qui débarquent et qui ont pas vu ce qui se passait aujourd'hui, on avait Raphaël, Stéphane, Sébastien, Flore Maquin, Nicolas Weiss. Dis donc, t'es pas dans le planning. Ah non. T'es l'invité surprise. Ouais, voilà. Donc notre invité surprise, Cassis Libre. Et on va enchaîner donc sur l'autre lien. Je vais vous mettre le lien dans 2 minutes sur Bastien Grivet, Jessica Rossier de Warden Light, qui nous parleront des araignées en survêtement rouge.
Mais quoi, je crois que c'est non, il y a pas un truc avec des robots aussi, de l'amour et. On va parler des robots. On va pas vous montrer les robots, l'amour et ouais. Les. Voilà, non. Il y a trop d'amour. Il y a beaucoup trop d'amour. Beaucoup trop d'amour. Voilà, ouais. On va repasser en plein écran et puis on va se. Parce on que fait une petite. Parce qu'il paraît que sans eux, Netflix se cassait la gueule aussi. Exactement. Sans eux, pas de Netflix. Il y avait plus rien quoi. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit hier. Ils ont dit, tu dis pas ça en live parce qu'on va se faire descendre. Mais ouais, mais toi, tu l'as pas dit du coup. Ah, c'est bon. C'est bon, alors tout va bien. Donc, la suite du direct, je vous mets le lien pour ceux qui nous suivent dans le chat. Regardez la fin du samedi dès 17h, il est 17h13. Allez faire du popcorn. C'est ça. Et on débarque dans 5 minutes, une petite coupure pub, le temps de C'est ça. Mais ouais, alors, surtout que la pub, c'est la pub pour Adobe et pour Yamag. On est pas mal, c'est de la pub maison. Voilà. Venez à Yamag, achetez Adobe. C'est ça ? Vous savez pourquoi on l'invite ? Bah voilà. Allez, merci à tous, à très bientôt Cassie. Bah merci. Ciao. CC includes powerful new features to help you work even better. Get more control over your design with our improved content-aware fill tool powered by Adobe Sensei. Choose which pixels to use in your fills and which to exclude. You can even create fills on separate layers. And turn shapes or text into frames with our new frame tool. Just drag and drop images whenever you're ready, and they'll automatically be resized to fit the frame.